Salut les fans, je suis Franco, le jeune influenceur, virgule le criminel décédé. Buzz ou réalité? Pour en savoir plus, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Paul Bia. Oh, j'ai le droit de parler. Vos petites intimidations que vous faites vos artistes, ne faites pas ça avec moi. Ah? Je ne suis pas longueur. Ah bon, hein? Et si vous essayez de m'intimider, la loi que vous avez écrite, ça va retourner contre vous. Même en justice, je clash le président de la Cour suprême. Vraiment, petit frère, calme-toi. Le premier ministre, je vais b**er ta grand-mère. Hey! Tu achètes les iPhones, tu donnes aux prostituées, mais tu empêches ta fille d'utiliser le téléphone. Ministre Mboudman. Sa tête ne... Ça va chauffer maintenant. Vous n'allez pas me dépasser. Je vais vous chicoter un à un avec ma ceinture. Je suis le Jésus du Cameroun. C'est ta bouche. Maintenant, j'applique une nouvelle loi pour les influenceurs et influenceuses. Toi, ton problème, c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Vendeuse de piments, scama, musicien, comédien, clasheur. Tout ça, c'est l'influence. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Mitumba, tu b*** les petites filles pour les rendre stars. Hey! Les Muriel Blanche, les Ebi Dani, tu as tapé ton bangala sur leur tête. Et ça va péter. Joyce Fosso, tu n'as jamais été belle. Tu ressembles à la guerre mondiale. La représentatrice de l'émission, c'est comment? Sur Canal 2. Mais s'il te plaît, arrête d'effrayer nos petits frères avec tes dents jaunes sur le plateau chaque jour. Vous allez fuir. Grand Barak, on fait la musique pour chercher le succès. Toi, tu as chanté, tu es plutôt rentré au village. Gohou Michel, le pygmée d'Afrique. L'héritier des pommes à genoux. Voici ton passé, voici ton présent. Tu as toujours la même taille. Yeah! Mon frère Fingon Chalala, je ne te savais pas aussi bête et jaloux. Toi, c'est qui pour juger les talents des gens? Tu juges Monsieur Chantal, tu juges Majaki, tu dis qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Toi, c'est qui? Regarde-moi l'oiseau. Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur jusqu'à... Cola sucré, depuis que tu as découvert le banc, tu es devenu villageois. Tu fumes jusqu'à tu confonds les toilettes. Seigneur. Eric Mansui, le DG de Eneo Cameroun. Ton cerveau chie le c***. Vous attendez, vous allez fuir. Si tu coupes encore la lumière, je t'enchaîne. Je te c*** le derrière devant ta femme et tes enfants. L'homme qui va me clasher jusqu'à je vais répondre à sa vidéo n'est pas encore né. Ah bon? Parce qu'on répond à une vidéo seulement quand on a mal. Et moi, j'ai perdu le mal d'avoir mal. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Quand on parle de clash au Cameroun et en Afrique, tu restes le dragon. Voilà, vous l'avez connu. Il s'appelait, ou bien il s'appelle, virgule le criminel, l'homme puissant du TikTok. C'était la première partie. Avant de regarder la deuxième partie qui présente sa chute, écoutez d'abord ceci. J'aimerais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle, esthétique, cosmétique et parfumerie, coiffure professionnelle. Appelez rapidement à ces numéros qui s'affichent en bas de cet écran. Mandat Créa est situé à Eldorado Nkomo et ce sont des formateurs qui ont au moins 25 ans d'expérience qui vous donnent cours. Ça c'est clair! Voilà, écoutons maintenant sa chute. Allons, tu étais avec Vigu le criminel, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu m'arrêtes tes conneries, vous m'arrêtez d'avoir vos machines là. Depuis que Vigu a commencé ses clashs et ses buzz, il n'a jamais été dans ces trucs là. Donc si aujourd'hui il est mort, bien il est assassiné, c'est ton problème là-bas. Je reconnais qu'on s'est vu pour créer une collaboration parce qu'il devait faire une vidéo sur les élèves des terminales. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Vous venez au deuil de mon petit frère, vous moquez de sa cause. Laisse. Je vous ai tous remarqué. Hier, vous êtes venu au deuil de mon frère, mon jeune frère. Vous faites comme si ça vous énerve. Mais au fond, vous moquez de la famille. Ça peut pas se passer comme ça. Mon petit, on peut blaguer avec tout, sauf avec sa propre mort. Ou avec la mort. On ne blague pas avec la mort, mon petit. Tu es quel genre d'influenceur, mon petit? On blague avec tout, sauf avec la mort, mon petit. Donc, Vigu le criminel est vraiment mort. Mais, donc je croyais que c'était un buzz. Ça court partout dans le réseau. Hey!
qui va maintenant clasher les gens. Si Virgule déjà die, adieu le clash, on oublie le clash. Ce n'est même pas possible! C'est impossible! En fait, Virgule, le criminel, est bel et bien décédé. La personne qui n'arrive pas à croire peut aller sur la page de Perlita Choco ou de Jovi. Virgule, le criminel n'est pas mort. Et j'ai toutes les preuves ici même. Dans mon téléphone. C'est de la gâchis, ce que tu es en train de faire au Camerounais. Ah, vraiment le Cameroun. J'étais avec la mère de Virgule ce matin. Je ne connais pas qui a envoyé les vidéos chez elle disant que la mort de son fils n'est pas vrai. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les vidéos dans le téléphone de la mater. S'il vous plaît, si vous voulez les informations fiables, appelez les membres de la famille et n'envoyez plus les vidéos dans le téléphone de la mère de Virgule. Je suis comme ça avec la boulette, un tout. Laisse. Ils sont comme ça à la morgue. Regardez. Ils sont comme ça à la morgue de Tono. Ça va, t'inquiète d'aboulet. Ok, je suis désolé si j'ai mis quelques petits trucs de rire depuis le début, parce que le début ça faisait vraiment rire. Mais vous avez vu que la fin vraiment c'est les pleurs. Et j'ai présenté cette vidéo pour sensibiliser mes jeunes frères. Créons des concepts, comme je dis tous les jours aux jeunes, créons des concepts pour avoir de l'argent, mais faisons aussi très attention des concepts concrets. Je sais que beaucoup vont venir m'indexer que où je provoque aussi les pasteurs. Non, moi je ne provoque pas les gens. Je fais juste les collages des images et je ne parle jamais rien. Je n'insulte jamais quelqu'un. Je ne clash jamais quelqu'un. Sauf si toi, tu me clashes en premier avant que je réponde. Donc les gars, les jeunes, s'il vous plaît, faisons très attention des concepts que nous créons. Ne créons pas des concepts qui vont nous amener dans la tombe. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris le message? Beaucoup de courage à la famille. Si, c'est la réalité. Parce que vous êtes trop fort pour les buzz. On est ensemble. Cet épisode a été présenté par Vouri TV, Le Compass Las Vegas, Manda Crea et Easy Market. S'abonnez-vous! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.